n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Faudrait un revenu pour rester dans la ronde. Même les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on soit libre de trimer ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Le travail libre, ça va pas de soi. Ici, cette grosse tache jaune, vous voyez, c'est la Russie. Ça a l'air comment par rapport au continent africain? Plus gros, ouais. Ça, ça fait 17 millions de kilomètres carrés. Ça, ça fait 30 millions de kilomètres carrés. Ça, ça justifie une mécanique raciste. Ça justifie une vision impérialiste du monde où les pays du Nord sont gros et au-dessus, des pays du Sud qui sont petits et écrasés. Cette vision du monde-là, donc, qui écrase, en fait, arbitrairement des êtres humains, qui montre les frontières, il me semble que ça, ça correspond un peu à l'idéologie de « tu as un revenu pour ce que tu fais ». Et il me semble que cette vision du monde-là, qui accentue sur la diversité, la richesse et la beauté, c'est plutôt « tu auras un revenu par ce que tu es ». Et donc ce que je vous propose, c'est de passer de cette vision du monde périmée à celle-ci, grâce à un revenu de base. « Ne regarde pas, il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Le temps est venu d'une réforme profonde. Mais les bras... » Comment on finance un revenu de base ? On arrête les paradis fiscaux, donc taxation sur les opérations financières. On va dire aide entre guillemets, aide existante. Création monétaire, hein, j'aurais aimé avoir du vert ou quelque chose. Je le mets en gros, création monétaire. Ah là là, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, cette idée. Je veux juste vous faire un tout petit aparté sur la joie de vivre dans un monde gouverné par des banques. Et donc les inégalités de revenus, par exemple. Entre les femmes en France, c'est 27% de compétences égales. C'est évidemment beaucoup trop, mais les inégalités au niveau des propriétés foncières dans le monde, c'est plus de 98% de terres pour les hommes, moins de 2% de terres pour les femmes. Donc c'est 1 à 50. C'est pas 27%, vous voyez. Donc, voilà, on raisonne en termes de revenus, mais il n'y a pas que le revenu. Alors, l'idée des revenus de base, c'est pas. Ah mais comment on va faire pour forcer les gens à faire des boulots de merde quand on aura un revenu de base? L'idée des revenus de base, c'est comment on va faire pour plus avoir de boulot de merde. Donc, le simple fait de poser la question en disant quand il y aura des revenus de base, comment on fera avec les sales boulots, ça nous laisserait penser que la situation actuelle, c'est bon, ben c'est cool, tout va bien, et au secours, les revenus de base arrivent, le spectre, ah, comment on fera avec les sales boulots? C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est actuellement, on a le problème des sales boulots, en dehors des revenus de base. On a un gros, gros problème même, c'est que c'est qui fait des sales boulots? Eh ben déjà, c'est pas moi. Non. Moi, je fais pas de sales boulots. Et pourquoi je fais pas de sales boulots? Ben, je suis un homme, blanc, j'ai fait des études supérieures, j'ai pas de crédit bancaire, j'ai une famille qui peut me soutenir si je vais pas prêt, etc., etc. Moi, j'ai le choix, en fait. Je peux venir faire des congés circulés comme ça, après. Il y a des gens qui ont beaucoup moins le choix, et les gens qui font des sales boulots, c'est souvent des femmes, c'est souvent des personnes issues d'immigration. C'est des personnes dans des centres qu'on appelle des centres pour déficients. C'est pratique parce que comme il n'y a pas de droit du travail, ces gens qui travaillent très bien, aussi, 400 euros par mois, un peu comme dans les prisons, les prisonnières et les prisonniers aussi, il n'y a pas de droit du travail, etc. On peut cumuler. Hein. Donc si vous êtes une femme noire qui sort de prison, vous êtes sûr d'avoir que des sales boulots. Donc le problème, il est maintenant, et je propose qu'on reformule la question, c'est maintenant comment on fait le problème, comment on fait pour réduire le paradis. Il faut s'insérer dans toi. Facile à dire, quand on en a. Mais le revenu de base, c'est la mort des syndicats. Plutôt d'accord, côté cœur, par là, plutôt pas d'accord, de l'autre côté. Il n'y a plus de rapport de force entre le patronat et le salariat. Il n'y a plus de patron ni de salarié. Si cette idée est belle, il faut bouger. Si en plus on a besoin de tous se mettre d'accord pour les métiers utiles dont on parlait tout à l'heure, il y a bien aussi besoin que chaque corporation de métier défende ses idées et puisse faire une réflexion globale entre les syndicats. On peut ne pas être d'accord et vivre ensemble quand même. Garantirait leur dignité. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Partageons la richesse qui abonde. Même les
parce qu'on arrive à le financer, que personne n'a ça de boulot, bon bah super, mais je veux dire, les gens ils vont plus rien faire. C'est ce qu'il dit, c'est vrai. Les gens ils vont plus rien faire. Ça. Les gens ils vont plus rien faire si on met en place un revenu de base. Mais on est des gens. Donc on ne va plus rien faire. Donc voilà, je vous propose 5 minutes de rien foutage. Ça fait rire, ennuyé, reposé. Si les gens devaient faire ça toute leur vie, ils sont prêts à mourir. Les gens qui font rien, au moins, ils m'emmerdent pas. Donc moi, personnellement, je préfère largement quelqu'un qui fait rien de ses journées que quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans un emploi où il va faire beaucoup de choses pour détruire l'environnement, détruire nos conditions de vie, avec un revenu de base. Les Françaises et les Français détruiraient leur emploi. Alors déjà, non. Et alors, est-ce qu'en fait ça serait si grave? Est-ce que, étant donné les ravages de l'emploi dans notre société en termes de souffrance au travail, de suremploi, de surproduction, de surconsommation, de obsolescence programmée, de publicité, marketing, pour nous forcer à acheter des produits de merde qu'on fabrique en grand papier, peut-être qu'on devrait arrêter, qu'on pourrait faire comme dans l'an 01, j'en sais rien, c'est pas forcément une stratégie politique, je pose la question. L'an 01, c'est on arrête tout. On réfléchit, c'est pas tout. Le travail subordonné, nous pourrions nous en libérer. Loin du mythe de l'oisiveté, choisir son activité, être payé pour pouvoir travailler, et ne pas perdre sa vie à la gagner. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas con. Tant qu'on reste dans ce mode de production, on reste en fait enchaîné à une vision du monde qui est, donc là il y a marqué 35 heures d'esclavage pour tous. On veut se faire exploiter, réquisition des emplois, mais, avec des pancartes comme ça. Donc tant qu'on défend l'emploi, c'est-à-dire la relation de subordination avec une entreprise qui m'empêche en fait d'appliquer mon éthique dans le cadre de mon emploi, eh ben, on ne pourra appliquer que les éthiques des entreprises privées capitalistes qui n'ont pas d'éthique puisqu'elles ont un objectif qui est rembourser le plus vite les actionnaires. Et donc toutes les choses qui sont en deuxième plan, les deuxièmes priorités, protection de l'environnement, priorité sociale, priorité humaine, n'existe pas parce qu'elle passe en deuxième, donc elle ne passe pas. Alors, il y a des êtres humains qui se battent évidemment contre ça, mais on se bat contre une structure. Et pour y arriver, comme ont dit plusieurs personnes, il y a cette image-là, mais c'est plein d'êtres humains très différents, et ces êtres humains et êtres humaines disent toutes et tous, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à moi tout seul? Donc effectivement, me rendre compte de ça, mais qu'est-ce que j'en fais en fait de cette lucidité?
d'exister. On vous remercie toutes et tous d'exister, d'être là et de nous nourrir de tout ça. Voilà. On va y arriver. J'aimerais inviter que toutes les personnes qui ont contribué bénévolement et avec amour à l'organisation de tout ça, parce que c'est pas moi en fait, là je suis des projecteurs, en fait c'est les autres qui ont fait le boulot. Toutes les personnes qui ont participé, merci de venir sur scène. Et que... C'est du passé.